Ma thèse porte sur Google et en quoi Google est une religion que j'ai appelée le googlicisme. Je me suis posé la question de en quoi Google est une religion, notamment parce qu'elle est omnisciente, elle est omniprésente, elle est toute puissante et comme à l'image d'un dieu, on se réfère toujours à Google maintenant. Et j'ai voulu y adapter tous les médiums qu'on utilise dans une religion, notamment les livres fondateurs. Il y en a quatre. Donc le premier, c'est la Genèse, qui traite de tous les débuts de Google, ses créateurs. Ça traite aussi du Googleplex, qui est comme une terre promise pour Google. On parle aussi de comment Google garde ses employés et les fidélise à l'image d'une religion, et tous les moyens que Google a employés pour se rendre tentaculaire. Et donc suite à ça, j'ai créé le guide. Donc ça, c'est le livre qui permet de comprendre le googlicisme, de le prier et de le porter. Donc on a par exemple donc le sens du googlicisme, son essence, et ensuite on a la doctrine avec toutes les prières. On a ensuite les dogmes, donc ce qu'on ne doit surtout pas faire quand on croit au googlicisme, donc ne pas utiliser Yahoo ou un autre moteur de recherche. Et ensuite, la hiérarchie. Donc, ce qui est très important dans une religion, c'est quand même de se référer à un supérieur hiérarchique, et comme dans Google, c'est très présent. Donc, on a quatre couches de hiérarchie. Donc, celui qui prie, celui qui est comme un employé, donc comme un prêtre. Et on a finalement aussi celui qui est comme un cardinal qui se réfère directement à un chef, puis le chef tout-puissant comme les deux fondateurs de Google. Le lieu saint, qui est ce lieu, qui est à la fois une chapelle et un lieu de recueillement, qui a l'image de Google est minimaliste et en même temps enveloppant, qui est des couleurs principales de Google, mais aussi blanc, et qui permet d'autant plus de se recueillir. Donc pour mieux pratiquer sa religion Google, il est nécessaire d'avoir des objets religieux Google, notamment le chapelet pour porter Google au quotidien, le missel qui permet de retrouver l'intégralité des quatre mythes fondateurs, comme les prières ou les histoires des apôtres Google. On a exactement aussi la clé de la connaissance, qui est une clé USB qui détient toutes les connaissances à propos de Google. Et enfin, la lumière divine de Google, donc qui est sous forme d'une batterie, car si on n'a plus de batterie, on ne peut plus éclairer sa vie avec Google. Le troisième livre, c'est The Stories. Donc j'ai voulu faire un livre sur les mythes fondateurs de Google, donc comme des apôtres ou comme les histoires en fait des gens qui font et défont une religion. On a des figures d'exception qui ont fait et défait Google. Donc ça peut aller de la simple youtubeuse au directeur financier, à le directeur de l'image de Google, à la seule personne qui va mettre un commentaire sur Google. Et toutes ces personnes, d'une manière ou d'une autre, ont contribué soit à la richesse, soit au rayonnement de Google. Et enfin, quand j'ai fait tout ce processus de promotion et de diffusion du googlicisme, j'ai voulu faire tout l'inverse et me demander en quoi Google n'est pas du tout une religion, ou qu'en quoi Google n'est peut-être pas un dieu, mais peut-être le diable. Et d'ailleurs, c'est le slogan réel de Google, c'est Don't be evil, qui veut dire ne sois pas le diable. Donc à partir de ce moment-là, je me suis demandé en quoi Google ne veut pas qu'on soit le diable, si eux-mêmes se comportent des fois comme une forme de secte ou une forme de... Ils interdisent toute libre pensée alors que le but de Google quand même c'est de diffuser au maximum la connaissance et l'information. Donc j'ai voulu aussi me poser la question si demain Google n'existe pas, à quoi on se référerait? Est-ce que ce serait une autre forme donc, de religion digitale comme le Facebookicisme, le Twitterisme ou l'Appleicisme? Qui utilisent exactement les mêmes codes à une autre échelle, mais c'est le même code de communautarisme qu'utilise Google. Et voilà.